Step into the ring, it's time to rock the night. Sergeant Slaughter's here, ready for the fight. $1 million man, with his gold and his flair. We've been through it all, we've gone everywhere. Wrestle Rock! Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que ça va bien à la maison. Bienvenue à ce Wrestle Rock Podcast, saison 6, mesdames et messieurs. Je suis Nostradaben et je vais animer cette émission spéciale avec Johnny B. Salut, mon beau garçon. Comment ça va? Manque un bras. Ah, ça va très bien. Nice. Hey, vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, saison 6. Émission sur McMahon, ça va brasser les amis, sur le documentaire de McMahon, mais juste avant, on a quelques petites blagues à faire. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas que Live Wrestling on Chain, en collaboration avec Wrestle Rock Podcast, organise un événement grandiose dans 2 semaines, mesdames et messieurs! Brian Clark va visiter Montréal au Bullseye de Montréal. Les billets sont en vente sur Eventbrite et ou si vous les procurez via notre ami Jeff Leduc sur la page de Live Wrestling Auction au coût modeste de 70$, les amis, si vous êtes de Québec et que vous voulez aller voir l'événement, les amis, contactez-nous, on a des meilleurs prix peut-être, on va essayer de faire quelque chose pour vous. Je sais pas si tu te souviens, la semaine passée, mon Ben, où est-ce qu'on était, mon Ben? On était à la QCW, entre l'entraque puis la suite du gala, on a fait une belle présentation. Oui, on est allé plugger, dans le fond, le show de Brian Clark. D'ailleurs, on a la vidéo, donc on vous la montre à l'instant. Hey, Joe, je check ça tranquillement, les bobettes grises, le jobber qui mange à close line, là. C'est le père à Carmelo, c'est calvaire. T'as raison, man. Puis, oubliez pas, chers amis, le 2 novembre 2024, le samedi 2 novembre 2024, à Lévis, au complexe Deux-Glaces, on cause. Deux jours avant, là. 4 novembre, okay. Au complexe Deux-Glaces-Honcourt, situé au 275 avenue Taniata, à Lévis. 19h, les billets sont en vente. Au coût modeste de 20$, je crois. Ben, 20$ après vente, puis 25$ à la porte. Oui, c'est si ça. C'est VIP, c'est 25. La QCW organise Above the Limit de la... La QCW, oui, c'est ça. Il va y avoir Sexy Eddie, Darko, le champion de la fédération, sera présent. Et plein de belles surprises. Donc, manquez pas ça, les amis. Les billets sont à vendre sur le point de vente. Exactement. Alors, ouais. Rentrons vivement dans le sujet, mon Ben. On a pris quelques moments pour écouter le fameux documentaire qui voulait être acheté par M. Vince McMahon lui-même, parce que je crois que M. Vince McMahon se sentait le cul chauffé. Mais au moins, il a eu le courage de se pointer dans le documentaire et répondre aux questions. Tout à fait. Ça, c'est quand même... En grande majorité, on se souviendra que vers la fin de l'émission... Vince McMahon a décidé de quitter drastiquement aussi, parce qu'il y a des trucs qu'à un moment donné, c'était peut-être un peu... Probablement sous le conseil de son avocat. Son avocat, il a dit, regarde, quand ça va être rendu à cette étape-là, tu te lèves, tu t'en vas. Ben, exactement, exactement. Donc, vers où tu veux commencer, toi, mon Ben? Moi, je vais commencer, mais je vais te dire que je l'ai écouté dans les deux langues, man, en plus. Ah, nice! Je vais te dire qu'à longue, c'est long, là. Oui, et puis qu'est-ce que tu en as retenu, mon ami? Ben, je peux parler, c'est sûr que positivement, on pourrait dire, on pourrait quasiment appeler ça, surtout le premier épisode, Vince McMahon le conquérant. On pourrait appeler ça de même.
Ouais, tout à fait, quand même. Tu sais, on a beau dire ce qu'on veut sur Vince McMahon, mais ça reste quand même que c'est l'un des plus grands promoteurs de tous les temps. Il a accompli des grandes choses. Bien évidemment, il y a des trucs qui ont été dits que je suis pas certain à 100%. Tu sais, je pense entre autres du fameux combat entre Hulk Hogan et le géant ferré que supposément c'était pas scripté puis que Hogan n'était pas au courant. Puis tu sais, moi je pense qu'ils veulent juste cacher la vérité, puis c'était juste pour rendre ça encore plus hype, puis garder les nostalgiques dans une boîte, puis tu sais, mais bon, on s'entend, c'est de la lutte, c'est sûr que c'était scripté. C'est pas la première fois qu'ils disent que c'était pas scripté, même dans le documentaire du Jean Ferré, qui a été fait 5-6 ans, là, il en parle que à la dernière minute, il a décidé de laisser gagner Hulk Hogan, où il passait le flambeau. Mais c'est sûr qu'entre toi et moi, là, il y avait un booking d'accroché sur le mur, là. Oh, c'est ça, là. Pour ce match-là, ils ont peut-être dit décider. Ça s'est passé, dans le fond. La décision s'est prise entre McMahon, Jean Ferré et Hogan. Là. Ils ont dû faire un petit débriefing. Puis, ben, finalement, Ferré, il va te faire gagner, blablabla. Ouais. C'est juste mon hypothèse. Là. Vous pouvez marquer dans les commentaires vos opinions aussi. Là. Yes. D'ailleurs, on est disponible sur les réseaux sociaux. Sur les médias sociaux. Donc, vous pouvez nous suivre sur. Twitter, Instagram, Facebook, bien évidemment, ah oui. Et à plusieurs autres endroits, dont X, entre autres, on est très présent. Sur YouTube, bien évidemment, on a atteint 7700 abonnés. Donc, lâchez pas, les amis. On, grâce à Jean Ferré, d'ailleurs. On fait des petits pouces dans les airs et on lâche pas. Par la suite, ben on s'entend pour dire qu'il y avait les connexions, il y avait une belle équipe derrière lui. Je pense entre autres qu'il a impliqué Hulk Hogan dans différentes sphères de la société, dont bon, bien évidemment, il y a eu du tournage, mais à la base, Vince McMahon n'était pas nécessairement trop en accord avec le fait que, je ne sais pas si tu te souviens, mais Vince McMahon avait interdit à Hulk Hogan d'aller faire le tournage de Rocky à l'époque. Vince McMahon senior. Ouais. Parce que là, il ne voulait pas mélanger lutteur et acteur. T'es un lutteur ou t'es un acteur? Vince McMahon senior l'avait sacré dehors. Ouais. Il avait été lutté au Japon à AEWA après. C'est ça. Finalement, ils l'ont réengagé. Ben Junior. Exact. D'ailleurs, Bob Backlund était champion. Il avait perdu contre Iron Sheik. Iron Sheik, c'est le champion de transition entre Backlund et Hogan. La meilleure storyline, ça a été ça à cause de la crise iranienne. Ouais. Un anti-américain qui est champion, puis le grand héros américain, Superface Hogan, qui est là-bas. La Hulkamanie est née, comme ils ont dit dans la biographie à Hogan à Canal 2. Oui, exactement, mais tu sais, ça ne pouvait pas être deux faces qui se battent. Non, Bob Backlund et Hulk Hogan, ça n'aurait pas marché. T'sais. C'est pour ça que ça prenait un intérim. C'est pour ça qu'ils ont transféré la ceinture à M. Iron Sheik, puis par la suite, ils ont transféré ça. Sinon, bien évidemment, on pourrait parler de certains scandales, de certains trucs qui n'ont pas nécessairement... ce que j'ai bien aimé, c'est le... Ça, j'aime toujours ça quand ils parlent de tout ça, que ce soit des documentaires joués sur YouTube, des Dark Side of the Ring, le Monday Night Wars, ça, c'est... Tout à fait. Tout à fait. Comment que la WCW était capable de planter McMahon pendant 83 semaines? Même si Bischoff, alors, disait, c'est peut-être 83-84. Ben, que ce soit, pas sûr, que ça soit 83 ou 84, ça reste quand même que la WCW a bon, bien évidemment, ils n'ont pas remporté la guerre, mais tu sais. Ils ont gagné plusieurs batailles, comme on pourrait dire. Tu sais, dans le temps, tu avais le droit de dire les résultats de Raw qui étaient enregistrés d'avance. Pour oui. Que les gens... Tony Schiavone et Eric Bischoff, ils disaient ça. Tournez pas de poste pour aller écouter Raw. On va vous dire les résultats. Ben non, imagine. Comment ça serait scandaleux. À l'époque, Raw était... n'était pas en live, non, était en rediffusion, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'ils pouvaient se permettre de faire ça. Maintenant, c'est du direct. Ouais. C'est différent. Il parle de la famille Hart, là, le Montréal Screwjob, la mort d'Owen Hart. Ouais. Il parle de plusieurs affaires dans le documentaire. Ouais, le squelette dans le placard pour Vince. C'est ça. Puis il y a une belle séquence avec Bret Hart qui parle que il a pu un petit peu enterrer l'âge de guerre suite au fait que lui et Martha Hart avaient engagé un détective privé pour avoir plus d'informations concernant le
le harnais de M. Hart qui avait lâché lors de Over the Edge du Blue Blazer contre Ouais, c'est ça, exactement. Donc, puis suite à ça, ben, tu sais, bien évidemment, il y a eu le Montreal Screwjob qui n'a pas nécessairement plu à Bret the Hitman Hart. Bien évidemment, vous vous souvenez du Survivor Series 1997 qui s'est déroulé à Montréal. Et puis, vous connaissez un peu l'histoire, mais on a su aussi que Bret Hart avait donné un coup de poing à la gueule à Vince McMahon, tu sais. Puis honnêtement, je pense que tout le monde sur la planète aurait fait la même chose suite à ce genre d'altercation-là. C'est un peu injuste. Donc, puis surtout, nous, c'est sûr qu'on prêche pour notre paroisse, on est Canadiens, fait que c'est certain qu'on va prendre pour le Canadien, tu sais, mais bon. La condition, c'était de ne pas le faire perdre au Canada, mais malheureusement... Vince, c'est toujours pour le business. Que ce soit impopulaire ou impopulaire, les décisions qu'il prend, c'est toujours question business. D'ailleurs, il a réembauché du monde qui l'ont poursuivi. Sable, elle l'avait poursuivi pour 110 millions de dollars. Il a réembauché Sable. Hogan, qui avait été obligé de témoigner contre lui, il a réengagé Hogan. Il a engagé Eric Bischoff, un gars qui l'a confronté live à Nitro maintenant. When it's all about business. C'est toujours de la business. Vince, c'est ça, c'est un... Ça rapporte du bon divertissement pour le business. Ça rapporte de l'argent. Question rendement, question finance, il va le faire. Là. Ouais, ben ça, un autre projet qui s'est cassé la gueule, il parle de la XFL. Ouais, ça n'a vraiment pas été un bon résultat. Puis d'ailleurs, The Rock voulait relancer ça. Il a relancé ça. C'est une fusion de la XFL et de la USFL. En gros, en fusionnant ça, c'est la UFL. Okay. C'est un mélange des deux. Yes. Par la suite, ben, on ne peut pas passer sous radar les insanités qu'il y a eu durant plusieurs années. Bon, bien évidemment, on a notre ami Tony Atlas qui a fait un témoignage lors du documentaire suite aux allégations de Pat Patterson. Bon, bien évidemment, il y a plein de gens qui, dans le milieu de la lutte, puis pour avoir côtoyé le milieu de la lutte pendant près de 30 ans, on en a appris aussi des histoires des vertes et des pommures. Ça ne nous a pas été une surprise d'apprendre le fait que Pat Patterson pognait le sac à Tony Atlas. C'est le genre de truc qu'on a appris encore pire, nous, mais qu'on ne divulguera pas pour des raisons personnelles. Bref, puis quand toi... Ça a été quoi ton feeling quand que. C'était quoi ta réaction quand il a posé la question pourquoi vous êtes pas plaint, tu sais? Ouais, ben c'est ça, il dit la réponse. Me plaindre à qui? À Vince, c'est le grand boss, puis Pat Patterson, c'est son bras droit. C'est ça. Il avait perdu sa vie. Surtout que dans le temps, en plus, tu sais, à l'époque. J'aime pas ça parler de ces sujets-là, c'était un noir. Il y avait du racisme. C'est malheureux à dire. C'est ça. Je parle la communauté noire après moi, c'est pas ça, mais il y avait du racisme. Exact. Puis si vous voulez en entendre davantage, je vous invite, honnêtement, on vous invite à aller voir notre entrevue avec Tony Atlas où on parle de la discrimination Rocky Johnson, de Rocky Johnson, Tony Atlas. À cette époque-là, ça faisait dur, c'était pas facile. C'est une autre mentalité. Honnêtement, mais c'est super intéressant. Donc, on vous invite sincèrement à aller voir la vidéo. Ça vaut vraiment la peine. Quand tu t'arrêtes à ça, des Afro-Américains n'avaient pas des tonnes, là. Ben non. Tu sais, t'avais Bobo Brazil, Big Cat Ernie Ladd, Junkyard Dog. Coco Beware. Ouais, non, mais tu sais, la première équipe noire, là, justement, c'était ça, Soul Patrol, Rocky Johnson puis Tony Atlas. Ben oui. Première équipe, je sais pas si c'est première équipe noire ou premier champion noir par équipe, mais en tout cas... Ben non, mais c'est ça. Ils n'avaient pas des tonnes, là. Ben News Brown. Ron Simmons. Ça. Rocky Johnson. Lasta, t'en as plein. Ben oui, il y en a plein. C'est rendu qu'il y en a presque autant. C'est Shelton Benjamin, Booker T, il y en a plein. C'est ça, tu sais. Amin Johnson. Ben, ces affaires-là, c'est des super athlètes. C'est une bonne expression. Par la suite, bien évidemment, il y a eu certains scandales avec des femmes. Donc, Vince McMahon n'a pas toujours été. N'a pas toujours mis des gants blancs. C'est ce que j'avais expliqué dans une entrevue que j'avais tenté d'avoir l'arbitre Rita Marie, Rita Chatterton de son vrai nom. Elle ne voulait pas participer au podcast, je la comprends, parce que là, raconter ce qu'elle supposément subit avec Vince McMahon. Oui, tout à fait. C'est pas. Non, c'est pas l'idéal. Non, c'est ça, je la comprends. Là, j'ai puis, tu sais, il y a eu aussi, j'imagine.
on est capable de lire un peu entre les lignes. Il y a certaines femmes qui ont été contactées que je nommerai pas pour faire partie du documentaire et ont refusé de faire partie de ce documentaire-là. Tu refuses pas de faire partie d'un documentaire et de recevoir un cachet si tu n'as pas nécessairement pas quelque chose à cacher, c'est pas ce que je veux dire, mais que peut-être que tu as des raisons de ne pas accepter ce genre d'opportunité-là, tu sais. On a parlé de la femme tantôt, on la nomme pas, on la nommera pas, parce que c'est sûr que... Mais elle a dû peser le pour et le contre avant de prendre les décisions de participer ou pas. Ça lui fait offrir. Tout à fait. Tout à fait. Ensuite, il y avait l'épisode, c'était une histoire de famille. Il parle de Shane Stéphanie, Triple H qui est devenu le gendre de Vince McMahon éventuellement. Oui, puis qu'il y a eu des grandes frictions au travers de la famille McMahon, où est-ce que Shane McMahon essayait de prendre sa place carrément parce que il y avait une espèce de chicane, mais tu sais, de... Il a toujours eu l'impression de vouloir prouver quelque chose à son père. Il s'est toujours senti comme... Tout à fait, puis c'est probablement pour ça que les grandes cascades il en a fait voir, etc. C'était sa marque de commerce. Donc, on a pu... C'est quand t'es gros au King of the Ring avec le plexiglas, c'était pas, là. Ça prend trois fois un cadre. Il fait un coco grillé, il tombe sur la tête. Il y a eu plein d'autres gros dives. Là. Je pense entre autres au combat qu'il y a eu avec Undertaker, qui a pratiquement fait la même chute que Mankind à l'époque du King of the Ring 98. Là. Tu sais, c'est du LNSL. Sa chute contre Steve Blackman en haut de l'échafaud. Il donne un petit kendo stick et il tombe. Tout à fait, c'est incroyable. Là. Il a toujours dit que ce n'est pas un lutteur, mais un cascadeur. Ce gars-là, c'est malade. Mais il semble que Shane était trop proche des catcheurs. Donc, on va en parler à la fin. Ce qui était un peu déplorable, et ça devait. Il aurait dû être un peu plus distinct. C'était trop banal. Il était trop chum avec les autres. Puis dans ce milieu-là, malheureusement, il ne faut pas que tu sois chum avec personne. Puis Stéphanie McMahon a un peu plus le profil. Qui fitait peut-être un peu plus pour la direction. Donc, c'est peut-être pour ça que, comme il expliquait dans le documentaire, elle a pris au niveau administratif un peu plus de place que Shane McMahon. Il y a ça, puis je vais dire un peu dans mes mots ce que Tony Atlas explique. Là, c'est que c'est plate à dire, mais si je m'adresse à tous ceux qui ont une fédération, c'est sûr, à quelque part, il faut quasiment que tu n'aies pas de sentiment. Il faut que tu sois quasiment un asti de sang cœur pour mener une business. Non, c'est sûr. Je sais, c'est malheureux à dire. Je dis pas que certaines fédérations, je dis pas que les gars ils ont pas de cœur, mais c'est pour faire la différence entre le chum et le boss. C'est ça l'affaire. Exact. Puis souvent, malheureusement, au Québec, comme un coach un peu partout dans le monde, ils ont de la misère à différencier l'ami du promoteur. Puis là, il se passe des petites magouilles. Puis là, ben, pour avoir un push, ils vont voir le petit promoteur, ils vont voir le petit booker, ils vont voir, tu sais, fait qu'ils lichent un peu partout. Puis finalement, ben bon. On connaît la suite des choses. OK, là, on a parlé... On parlait de femmes, on parlait de... Ben, Hogan, ils ont parlé du procès des stéroïdes aussi. Oui, tout à fait. Le procès des stéroïdes, veux-tu en parler? Ben, on en a... De toute façon, on vous en a déjà fait part lors d'une émission sur YouTube. On vous conseille d'aller la voir. C'est vraiment le scandale stéroïde. Tout est bien indiqué dans cette émission-là, donc on va essayer de passer quand même assez. Mais quand même que Hulk Hogan dit quelque chose qu'on. Hulk Hogan, Terry Bollea de son renom, dit quelque chose qu'on ignorait. Probablement qu'il n'avait jamais été écrit ou dit. C'est qu'il dit que le FBI l'ont obligé à témoigner au procès de McMahon. Sinon, s'il refusait, il s'en allait après Hogan, ça risquait une peine de 17 ans de prison. Tout à fait. Hogan, il avait comme pas le choix. Ouais. Ça l'a brassé pas mal, comme on dit. Fait que ben, il est obligé un peu de dire une partie de la vérité, mais pas toute. Il a consommé des stéroïdes, mais c'est pas McMahon qui en fournissait. Exactement. C'était qui en fournissait? C'est-tu le Dr. Zaharian, je sais pas. Ben, c'est ce qu'ils disent. Le Dr. Bonbon, là, qui appelle. Ben moi, j'ai mon idée un peu de qui fournissait, mais je dirais pas un mot. Mais je t'en parlerai en privé. Non, ça peut pas être le Dr. Zaharian. Je pense qu'il était déjà en prison. Il me semble qu'il était déjà en prison, il peut pas.
C'était dans les années quoi? Fin 80, début 90. Ouais, ben, 94, le procès à McMahon, mais il y a eu d'autres. Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'était pas illégal d'en consommer. Tu sais, Arnold Schwarzenegger, il a jamais nié de n'avoir consommé. Il n'a non plus. Mais c'était légal à l'époque. Ouais, c'est ça. Ben, c'était comme la mode. Là. Tout le monde prenait ça. Ben, comme, ils prenaient ça comme des Fruit Loops. Ouais, quasiment. Après ça, qu'il y a eu quoi d'autre? On a parlé de la XFL, on a parlé. C'est ça, quand le procès d'Estérel, il est obligé de fermer son affaire de bodybuilding. WBF. Ouais. D'ailleurs, j'avais écrit à l'ancien champion Gary Strider, le Sud-Africain, là, jamais eu de nouvelles. ouais, c'est vrai. Mais ça serait bon voir. Ben oui. On a eu un semblant de Lou Ferrigno. C'était pas vraiment une entrevue, c'était un Q&A, mais Gary Strider, ça serait bon. Ouais, tout à fait. Puis on vous réserve des super de belles choses. Ronnie Coleman, j'avais déjà marqué. D'ailleurs, on a eu récemment. Le former two-time GHC champion Ninja Mac, un lutteur de calibre international qui a lutté avec les meilleurs, qui a lutté avec Ultimo Dragon, Mike Bailey, Elio Del Vikingo, avec tous les plus grands. Donc, on vous invite honnêtement à aller voir ça. Ça va sortir très bientôt. Faites juste taper Ninja Mac sur YouTube. Vous allez en avoir pour... Yes. Je ne dirais pas pour votre argent parce que c'est gratuit, mais... Yes. Alors, ben, je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question un peu. Là. As-tu d'autres choses que tu voulais parler? Quel genre de documentaire qui pourrait... Tu sais, là, il y a eu l'affaire sur McMahon, mais pourrais-tu en avoir sur un autre lutteur ou sur un autre... Ben, c'est sûr qu'ils pourraient fouiller dans le projet Owen Hart, mais tu sais... Parce que là, ça fait des années qu'ils disent qu'il va y avoir un film sur Hogan. Ça serait chose à Hemsworth qui le ferait. Mais est-ce qu'ils vont virer ça en documentaire à la place? Puis là, ça va être Hogan. Ils vont peut-être faire un film sur la famille Hart. Ben oui, tu disais Brett, le vrai Brett pour être Casey de Dépanneur. Comment t'avais dit ça? Juste pour dire un petit clin d'œil, ça pourrait être intéressant. On avait fait aussi une émission sur la famille Von Erich et puis le film sur les Von Erich qui était vraiment très, très intéressant. Donc, voilà. Joe, il y a une affaire qu'on n'a pas pensé de parler, qu'on aurait dû parler en premier, c'est Vince McMahon, c'est le créateur de WrestleMania, qui est à ce jour encore le plus gros événement divertissement sportif, au même titre que le Super Bowl. Tout à fait. Tu sais, McMahon, sa formule gagnante, ça a été pour ce show-là, ça a été de mélanger des vedettes avec des lutteurs. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est Mohamed Ali, Mr. T, Cyndi Lauper. Alice Cooper. Oui. Il y avait plein. Liberace. D'ailleurs, j'ai posé la question récemment sur Facebook si c'est en partie grâce à elle, Cyndi Lauper, si WrestleMania 1 a marché. Elle a accompagné Wendy Richter. Tout à fait. D'ailleurs, Wendy Richter, elle s'est fait screwy et tout. Ben oui. Ah oui, 1, 2, elle se dégage, toi. Le premier vrai screw job officiel, ça a été. C'est Wendy Richter. Mais celui-là qui a le plus d'impact, c'est Bret Hart. Tout à fait. Parce que c'est en terrain canadien, à Montréal. Les Rougeaux, et tout, à un moment donné, avait sorti avec la strap, finalement. Ouais. Ça n'a jamais été officialisé comme les Rockers un peu. Oui, tout à fait. Voilà. Bon. Fait que là, on pourrait en parler pendant des heures, c'est sûr. Non, c'est sûr. Alors, j'espère que vous l'avez apprécié, notre émission spéciale sur le documentaire de Vince McMahon sur Netflix. Bien évidemment, c'est nos impressions, nos commentaires. Donc, on vous invite, suivez-nous sur les médias sociaux. Encore une fois, on vous invite, c'est dans 15 jours, à l'événement avec Adam Bomb. On vous invite en grand nombre à Montréal. On vous attend en grand nombre. L'action ne manquera pas. Au revoir. Step into the ring. It's time to rock the night. Sergeant Slaughter's here, ready for the fight. $1 million man. We've been through it all, we've gone everywhere. Wrestle Rock, where legends collide, with no sort of Ben and Johnny by our side. Tomahawk chops, stop rolling drops. We're the podcast that never stops. Allez, les scandales.